Ok. Ouais, je sais, on a vu mieux comme striptease, mais enfin c'est pas grave et on fait avec ce qu'on a. Hein. Salut à toutes et à tous, troisième vidéo déjà, troisième vidéo où on va réagir à Reddit. On va réagir au meilleur, non c'est quoi, aux pépites de la communauté de Sons of the Forest. Je lui ai donné un fusil à pompe, elle m'a signalé de venir avec elle et elle a commencé à courir autour de la forêt pour shooter des cannibales. Elle m'a fait un pouce et finalement elle a arrêté de courir. Est-ce que c'est normal? Je sais pas, mais en tout cas elle a trop la classe. C'est un date de nuit. Amuse-toi bien. Elle est sauvage. Virginie la mauvaise, pour ceux qui ont la ref. Oh, le mec il est en train de créer un programme. Ça te permet de voir la position de tes partenaires, de pouvoir les téléporter. Tu peux les réanimer si tu peux voir s'ils sont en vie, s'ils sont morts, leur position exacte, etc. Tu peux voir le nombre de plantes qu'il y a et tu pourrais éventuellement les faire repousser. Mais attends, c'est trop stylé. Bon, du coup, j'ai bien compris que apparemment maintenant on peut installer des mods. Et c'est vrai que ça pour le coup c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette, bravo à lui là. C'est qui fait ça? Nkbenk. Cet idiot a essayé de construire un feu dans une rivière. C'est notre Kelvin International, bon voilà, il... Hey, frère, tu lui demandes de construire un feu de camp? Il pouvait pas le faire ailleurs? Bon, voilà, il voulait pas te dire que c'était pas possible, donc il t'a montré que c'était pas possible, il l'a mis dans la rivière, et puis c'est tout. C'est le mec qui cherche des excuses. Je suis revenu dans la cave du respirateur aquatique après 10 jours de survie. Oh là là, à mon avis, ça doit être hardcore. Oh merde. Oh. Ah ouais, non mais Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud parce qu'en plus la cave justement du respirateur aquatique, je crois que c'était pas la plus compliquée ou la plus remplie hein. Plus les jours avancent et plus il y a des cannibales et des mutants, ça c'est chaud quand même. Oh regardez, on avait vu ça dans la dernière vidéo. C'est la même personne hein, je pense hein, That's Pretty Little Bro, qui a fait, vous savez, en laine, en coton, je sais pas du tout c'est quoi comme matière, qui a fait l'armure effrayante mais en version, voilà, en version un peu bah, c'est pas des gants mais donc bon, tu m'as compris. Et bah du coup ça y est, elle a posté la paire parce qu'on avait qu'une seule main et là maintenant elle nous montre les deux, c'est excellent. Vraiment bien, mais ça aurait été mieux si c'était avec un vrai humain. Mais je l'attendais, j'attendais des vannes avec les binoculaires. Eh ben voilà, ça montre des fesses quoi. Et c'est les fesses de qui? Où sont les jumelles? Ah, c'est pour un ami. Si jamais vous aviez loupé, j'ai sorti un nouvel épisode, donc l'épisode 16 du Let's Play, malgré que le Let's Play se termine à l'épisode 15 officiellement. Mais j'ai ressorti un épisode bonus où justement on est allé voir par rapport à la mise à jour qu'il y a eu. Donc justement les jumelles, on est allé les récupérer et puis également le deltaplane. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les regarder, ça se passe ici. Ah, j'avais une chance sur deux. Oi. Ça doit être le même mode qu'on avait vu dans la dernière vidéo où ils avaient agrandi la taille de Kelvin. Là je pense que c'est la même chose mais avec un cannibale j'imagine. Et puis il y a Kelvin qui arrive à côté, normal, tout va bien. Ouais, il y a un mec, il a trouvé des chaises dans un lac, incroyable. C'est pour ça que j'aime ce jeu, c'est pour ça que j'aime ce jeu. Ça fait 2 semaines qu'il est sorti, personne ne l'a encore exploré de fond en comble. Les gens ils ont terminé le jeu en 2-3 heures grand max et puis après ils sont venus à critiquer machin et tout. Sauf que voilà, les vrais passionnés ils sont là, ils jouent des heures et ils explorent et ils trouvent des trucs de ouf. Cher End Knight, s'il vous plaît, donnez-nous une petite voiturette de golf qui fonctionne. Parce que c'est vrai, sur la map, il y a des voiturettes de golf absolument partout. Il y en a qui ont envie de rouler les voitures. J'ai vu également, j'avais pas tout mis dans la vidéo l'avis de la communauté, dernière vidéo que j'ai faite, j'avais vu des gens qui souhaitaient pouvoir conduire des véhicules. Genre hélicoptère et tout. Mais là par contre vous allez loin quand même. C'est pas GTA non plus hein. Virginia nous encourage quand nous nous défendons contre les cannibales. Hop là dans le piège. Oh. Ah c'est trop chou. Bah elle a aidé personne par contre Virginia là hein. Elle s'est dit bon ils sont déjà en multijoueur à 3-4 là, je sais pas combien ils étaient au total en multi, donc je vais pas les aider, ils ont déjà leur piège, je leur laisse faire. Ils ont fumé le cannibale, Virginia derrière, yes c'est bien les gars, c'est bien. C'est le fan club. Première rencontre avec Virginia et ça s'est pas passé comme prévu. Oula, en plus le mec est en facecam, ça j'adore. Ouais mais elle fait flipper aussi. J'avais complètement oublié la première rencontre qu'elle fait des bruits un peu bizarres parce qu'elle a peur et tout etc. C'est incroyable. Ce jeu a l'un des meilleurs graphismes et mécanismes de construction auxquels vous puissiez penser. Je sais que c'est en accès anticipé et qu'il y a quelques bugs, mais je pense qu'Ed Knight a fait un excellent travail. Prouvez-moi que j'ai tort. Tout est dit. Y'a rien de plus à dire, frère. Voilà, c'est jeu. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai fait ce post hein. Et c'est ça que les gens comprennent pas. Regarde, le fait que c'est si bon et toujours en accès anticipé, à quel point peut-il être meilleur quand il sera enfin terminé et complété? Le jeu est en accès anticipé, alors scandale ou non, parce que les gens voulaient qu'il soit fini, mais il est en accès anticipé et il est déjà excellent. Alors, enfin excellent avec les bugs, hein, et avec les problèmes et le scénario qui est pas tout à fait terminé, etc. Hein?
Mais il est génial. Il est génial, le jeu. Alors qu'est-ce que ça va être? Bah dans un an, deux ans. The Forest, pareil. Alors je vais pas vous inventer les années, mais The Forest, il leur a fallu quand même je ne sais combien d'années pour avoir le résultat abouti, quoi. Et The Forest, au tout début, il était peut-être pas aussi génial que Sons of the Forest l'est à ses débuts. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait réfléchir. Putain, c'est sympa, ça. Oh, et on est sur Minecraft ou quoi? Oh, j'adore! Pourquoi j'ai pas pensé à faire ce genre de construction? Ah, je me souviens que Roros l'avait déjà dit, ça. Qu'en gros, même quand tu lui enlèves sa tenue, on voit ses tétons. Et tu sais que des vidéos comme ça, je peux en faire 30 000, hein. J'espère que ça vous plaît, ce genre de vidéo. Moi, je kiffe voir les pépites de la communauté, comprendre mieux l'histoire. Si vous kiffez, les gars, un maximum de soutien pour le montage, pour la vidéo, maximum de pouces bleus, les commentaires, évidemment, qui font plaisir. Vous abonner, mettre la cloche, très important pour pas rater les prochaines vidéos, évidemment. Et puis moi, écoutez, je vous fais plein de bisous. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, pour de prochains lives. Merci à tous, ciao tout le monde.